Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. People are suffering. People are dying. I have a dream. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. The spirit of a people. Yes, we can. Civis, le podcast de la réflexion collective et de l'engagement citoyen. Pour le 8e épisode de Civis, on va recevoir Jean-Christophe Cambadélis, figure emblématique du Parti Socialiste de ces 20 dernières années. Il cherche aujourd'hui à influencer la politique par le biais des idées. Des idées, il en propose justement à son camp, le centre-gauche. On va aborder avec lui un concept qu'il cherche justement à mettre au centre de cette réflexion politique. C'est celui de l'intégrité humaine, mais on va aussi parler d'écologie, de l'avenir de son camp politique, de son avenir personnel, mais aussi de sa lecture du mouvement des Gilets jaunes et des différents mouvements écologistes, notamment celui des Jeunes pour le Climat. J'espère que cette interview vous plaira. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente. Vous avez été membre et président de l'UNEF il y a un demi-siècle, comme vous venez de le dire. Vous avez été militant trotskiste avant d'entrer au Parti Socialiste, pour lequel vous avez été député et conseiller de Paris. Sous le quinquennat de François Hollande, entre 2014 et 2017, vous êtes devenu premier secrétaire du Parti Socialiste. Absolument. Récemment, vous avez sorti le Dîner des Présidents, un politique fiction aux éditions Kéro. C'est un roman politique dans lequel vous mettez en scène une réunion entre Macron, Chirac, Hollande et Nicolas Sarkozy dans un restaurant, qui, suite à un acte particulièrement violent du mouvement des Gilets jaunes, se réunissent pour parler de ce qu'il est nécessaire de faire dans le pays. Et au travers de ce livre, vous vous mettez en scène et vous apportez les solutions qui sont les vôtres pour justement répondre à la crise que traverse la France actuellement. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique en 2017, date à laquelle vous avez démissionné de votre poste de premier secrétaire. Et entre 2017 et 2020, janvier 2020, on vous a assez peu vu dans les médias. Donc, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez décidé de vous mettre en retrait et pour quelles raisons ? Alors, j'ai décidé de me mettre en retrait parce qu'on était dans une débâcle du Parti Socialiste, de la gauche en général, et que j'estimais qu'il fallait créer les conditions d'une nouvelle donne, faire quelque chose de nouveau. Et que je pouvais être, comme un des dépositaires de l'ordre ancien, je pouvais être un obstacle à cela. Et puis sur le plan personnel, ça faisait plus de 40 ans que je faisais de la politique de manière quasi professionnelle, quasiment 24 heures sur 24. J'avais besoin de réfléchir et ne plus être dans la boutique, dans les boutiques, et réfléchir sur les questions de fond, parce que entre le moment que vous avez indiqué, qui est celui de mon engagement politique à la fac, luttant contre le gaullisme, contre les successeurs du général de Gaulle à droite, et cherchant à faire en sorte que la gauche prenne des responsabilités ou le pouvoir, tout simplement. Et maintenant, il s'était passé énormément de choses sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan des structures des sociétés. Et la question de la gauche ne se posait plus dans les mêmes termes qu'à l'époque où j'avais commencé à agir et militer. Donc j'avais besoin de 2-3 années de réflexion. Qu'est-ce que vous pensez du clivage ancien monde, nouveau monde qui a essayé d'être mis en place en 2017, justement, par Emmanuel Macron? Où est-ce que vous le trouvez pertinent, et où est-ce que vous situez, a priori, sur ce clivage-là? Alors, moi, je ne le trouve pas pertinent. Je trouve que ceci, c'est une construction a posteriori, après la victoire du président de la République, qui n'était pas dans cette guerre des deux mondes, au point de départ, puisqu'il était sur la thèse d'un nouveau progressisme à gauche, empruntant un petit peu dans les thèmes à la mode d'un progrès qui ne soit pas simplement une remise en cause des questions économiques, mais qui prenne en compte d'autres vecteurs. Mais il a changé en cours de route, et il a changé à partir du moment où François Bayrou a apporté son soutien. À ce moment-là, c'est la date exacte si on devait faire une étude de sociologie politique, comme François Bayrou le soutenait, c'était amené le soutenir, eh bien, Emmanuel Macron
a décidé d'être sur une orientation du fameux en même temps, et la droite et la gauche, et ainsi de suite, ce qui n'était pas sa position de point de départ. Hein. Et à ce moment-là, il a pu l'emporter, parce que bon, bah, on ne voyait pas qui pouvait faire obstacle à Marine Le Pen, et que le discours qu'il a pu déployer permettait d'avoir un candidat qui était acceptable par des gens de droite et acceptable par des gens de gauche, et permettre de battre Marine Le Pen. Et au lendemain de cette élection présidentielle, il a commencé à théoriser l'idée que c'est un mouvement monde, c'est une révolution, et cette révolution, elle se fait contre les vieux partis institutionnels. Pour moi, c'est totalement artificiel. D'ailleurs, on en est en train de s'en rendre compte. Si c'était le cas, sa formation politique, La République En Marche, serait en dynamique. Or, elle ne l'est pas. Tous les jours, il y a une démission, encore aujourd'hui, de parlementaires. On prend le dernier vote. Hein, le dernier vote, c'est 14 000 votants sur 400 000. Pour changer les statuts. Au sein du parti. Au sein du parti. Si le Parti Socialiste, à l'époque où j'en étais le premier secrétaire, sur 150 000 adhérents, avait eu 14 000 votants, j'aurais eu droit à la une du Monde, disant un parti moribond, voilà, c'est la fin du Parti Socialiste, etc. Bon, là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, pourquoi ? Parce que je dirais que les médias n'en font pas cas. N'intègre pas cela comme un élément important. Mais on voit bien que cette formation politique n'a pas renouvelé la vie politique française, n'a pas changé celle-ci. Si les choses changent, on verra si c'est en bien ou en mal, ça vient de l'impulsion du pouvoir. Alors, si vous avez parlé du mot de gauche tout à l'heure, est-ce que vous considérez toujours comme étant de gauche ? Est-ce que vous revendiquez toujours le terme ? Parce qu'aujourd'hui, ça a été abandonné par... Le terme a été abandonné par une partie de ce qui est toujours considéré par les médias comme étant de la gauche. Donc, je pense à Jean-Luc Mélenchon et d'autres personnes de cette mouvance politique. Quel est le clivage le plus approprié ? Est-ce qu'on peut toujours dire que le clivage gauche-droite est le plus approprié en France ? Ou alors d'autres comme le clivage caste-peuple ou européiste-souverainiste ? Il y en a beaucoup qui essayent de le changer et de sortir du clivage gauche-droite. Alors, ça dépend de quoi on parle. Quand on dit aux Français « vous êtes ou sur l'échiquier », ils savent parfaitement se retrouver. Ils disent « je suis de gauche, je suis de droite, je suis centriste, ils disent pas d'extrême droite, mais je suis avec Marine Le Pen ou je suis avec Jean-Luc Mélenchon ». La plupart des Français, 90% des Français, savent parfaitement se définir sur l'échiquier. Et pour eux, la question de la gauche et de la droite a une signification. Pour autant, les représentations de cette gauche et de cette droite ne sont pas obligatoirement celles qu'ils souhaitent ou qu'ils souhaiteraient. Et nous sommes dans une époque de désaffiliation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat, je parle bien de l'électorat, qui veut pouvoir prendre un petit peu ici, un petit peu là, politiquement. Mais il reste, parce que c'est structurant de notre vie, de notre univers, de notre vie politique, des réflexes de gauche et de droite. D'un côté, on sera plus sur la liberté individuelle, de l'autre, on sera plus sur la solidarité ou sur l'anticapitalisme, l'anti-autoritaire, etc. Et puis, de l'autre côté, on sera plus sur l'ordre. Et ça, les gens savent parfaitement. Et ce clivage-là, il existe toujours. Mais il y a, indépendamment de la dimension électorale, plusieurs autres clivages qui peuvent être, oui, ce que vous avez indiqué, entre les élites et le peuple, mais ça a toujours existé en France. Mais là, c'est peut-être plus prégnant, entre ceux qui ont une vision plus universaliste et l'autre, une vision plus identitaire, d'autres plus une vision plus identitaire. Il y a aussi des positions communautaires qui existent en France. Bref, il y a une série de clivages dans un grand clivage qui reste, à mon avis, très structurant entre la gauche et la droite. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans votre livre, vous êtes servi justement vous êtes servi de votre livre justement pour faire des propositions pour ce qui doit structurer la gauche de demain. Pourquoi est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait une sorte de pause de 2 ans médiatique, etc. Pourquoi revenir aujourd'hui ? Bah, pour plusieurs raisons. Bah, d'abord parce que je pense que notre pays souffre. Qu'il est dans une situation extrêmement difficile, car le diagnostic qu'a porté le président de la République
sur la France n'est pas le bon. Le diagnostic qu'il a porté, il est double. Premièrement, c'est qu'il faut accentuer les réformes libérales, il faut adapter, faire en sorte que la France s'adapte au modèle anglo-saxon. Et c'est parce qu'elle n'est pas adaptée au modèle anglo-saxon, qui est une forme de la mondialisation, qu'on se retrouve dans une situation peut-être de difficulté économique. Deuxième diagnostic, la France doit être dirigée de haut en bas, c'est le verticalisme. Alors, on a dit Jupiter, Zeus, bon, ça c'est des formules, mais c'est l'idée que, en fin de compte, les Français avaient besoin d'un fil à plomb, d'un personnage, d'un Bonaparte, d'une personne qui incarne la nation et l'État et qui lui donne le cap nécessaire. Donc les deux, pour moi, sont une erreur, et l'acharnement à vouloir aller dans ce sens crée des tensions sociales de plus en plus fortes. Et ma crainte, c'est que plus on va approcher de l'élection présidentielle, plus on va avoir que le vote du Rassemblement national, c'est-à-dire du Front national, des lepénistes, va être un vote refuge pour sanctionner le président de la République, les forces dominantes. Là, on peut prendre là le clivage au bas, et qu'il y a un risque de plus en plus certain d'une victoire du Rassemblement national lors des prochaines élections. Lors des prochaines élections, parce que en 2017, on était quand même assez loin. Il y a eu le débat raté de Marine Le Pen, mais on était quand même, en termes de score, assez loin. Emmanuel Macron, c'était une victoire beaucoup plus faible que celle de Jacques Chirac en 2002, mais c'était quand même une victoire assez importante en termes de pourcentage. Comment vous pensez qu'en 5 ans, avec notamment les Gilets jaunes, ça s'est réduit au point de pouvoir faire gagner Marine Le Pen? Alors, il y a plusieurs éléments d'analyse. D'abord, il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que j'entends dans « mais bon, mais non, mais les Français, jamais, au dernier moment, ils voteront pour Macron, Macron est quasiment réélu ». C'est très exactement ce que j'entendais en 2002, quand on nous disait « Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour, vous y pensez absolument pas, au fond, les Français, ils arbitreront entre les deux grandes forces ». Et le Parti Socialiste, qui avait dominé la vie politique depuis des années, s'est retrouvé par la division dans une situation où il n'a pas pu concourir au second tour. Ça, je me méfie du raisonnement porté chez les élites et les bien-pensants et les éditorialistes. Ça ne peut pas se faire. Bon, bah, Trump, c'était pas possible. Salvini, c'était pas possible. Le Brexit, c'était pas possible. Pourtant, ça s'est réalisé. Bon. Deuxième élément de l'analyse. François Mitterrand nous disait, sous la Ve République, au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. La dernière fois, en 1917, parce que je sors du film, c'est pour ça, en 2017, le président de la République a été le moyen de faire barrage à Marine Le Pen. Les Français n'en voulaient pas. Mais 5 ans plus tard, Macron ne surprendra pas, il aura gouverné sur un axe stratégique qui est d'accentuer le libéralisme et l'adaptation au monde anglo-saxon. Il aura eu un style qui aura plu ou déplu, et on voit bien que sa base se réduit aujourd'hui énormément. Et quand on regarde les détestations, on va dire, des Français, on voit que 70% des Français ne sont pas favorables à Marine Le Pen et 69% au président de la République. Donc, on voit bien que de plus en plus, moi je le regrette et je le combats, mais de plus en plus, des gens de gauche, des gens tout simples, des gens qui ont voté Macron au premier ou au deuxième tour, nous disent « Non, moi je me ferai pas avoir deux fois. Je n'irai pas voler dans toutes les catégories de la population. » Et donc, c'est un risque. Je pense de plus en plus que Macron se présentant, c'est un risque pour la démocratie. Alors, une fois que j'ai dit ça, on dit qui? Mais moi, je dis pas qui, je dis quoi.
C'est-à-dire qu'il faut que la gauche se recompose et elle ne peut pas se recomposer autour d'une personnalité. On va en parler, mais je développe le raisonnement. Et il faut que la droite ait son propre candidat. Évidemment, si c'est que Macron face à Marine Le Pen, à un moment donné, le choix, il est binaire. Mais j'ai peur que l'abstention à droite comme à gauche, dans les vieux partis, soit telle que ça se joue à rien, à un mouchoir. Alors justement, pour éviter ça, vous faites des propositions, vous avez dit plutôt des propositions que des personnes. Vous avez justement parlé de Jupiter. Ce que vous proposez, la première proposition que j'ai lue dans votre livre, c'était un nouvel acte de décentralisation. Le premier, c'était avec François Mitterrand en 1982. Est-ce que vous pouvez nous présenter, dans les grandes lignes, ce que vous cherchez, ce que vous voulez comme nouvel acte de décentralisation? Alors, c'est précisément ma contradiction principale, mon diagnostic opposé à celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, au fond, dit « ce pays manque de centralité, manque de décision centrale ». Et moi, je dis « ce pays manque de décentralisation ». Aujourd'hui, la France souffre du jacobinisme. Et le jacobinisme français n'est pas adapté, alors là, pour le coup, plus moderne que ne l'est Emmanuel Macron, n'est pas adapté au monde tel qu'il est aujourd'hui. À la communication, vous en êtes la preuve, qui se multiplie et qui est horizontale et non plus verticale, au développement économique sur des petites unités de production ou des start-up, ou des, même s'il reste évidemment des grandes structures industrielles, on n'est plus à l'époque de la sidérurgie, de l'autonomie, l'automobile, des chantiers navals, tel que cela pouvait exister. Nous subissons une énorme crise industrielle, et ainsi de suite. Donc, c'est plus l'époque du centralisme, plus ou moins démocratique, centralisme jacobin, gaullien, qui décide, pardon, dans un plan que l'on va mettre des usines ici, qu'on va faire telle ou telle chose, et que l'on va avoir une industrie colbertiste. Donc tout ça, c'est terminé. Et je trouve que le pays souffre de cette centralisation. Ces centralisations tue l'initiative, alors qu'il y a tant de volonté, d'intelligence dans les régions et qu'on pourrait faire prospérer. Mais justement, vous parlez aussi beaucoup d'écologie dans votre livre. Est-ce que trop de décentralisation, ou même une simple décentralisation, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un État fort pour enclencher une véritable transition écologique? Alors ça, nous sommes formatés, cela, parce que la France, c'est deux choses. Sur le plan idéologique, on va dire. C'est l'État garanti de l'égalité et la passion de la liberté. Et c'est toujours une tension entre les deux. Mais pourquoi, par exemple, si vous voulez imposer un certain nombre de logements sociaux dans un certain nombre de villes, où on voit que les villes ne respectent pas, puisque nous sommes dans les municipales, les indications ou les décisions que nous avons décidées en termes de prorata, quota de logements sociaux. Pourquoi il faudrait s'en référer à l'État? On peut s'en référer aux régions. Pourquoi ce n'est pas les régions qui le feraient? Qu'est-ce qui fait que les régions seraient dans l'incapacité d'avoir un débat démocratique et de dire que dans telle ville, on n'a pas atteint ce qui est nécessaire? Pas besoin d'un État central. Sur les grandes questions régaliennes, évidemment, moi je plaide pour un nouveau compromis entre la forme régionale, la forme de locale, c'est là où ça se décide, là où sont les gens, la manière dont ils vivent, etc. Et la dimension jacobine, un nouveau compromis historique. Il y en a eu un qui est assez ancien, puisqu'il date de la monarchie, puis de la Révolution française, puis de la centralisation bonapartiste, évidemment. Bon, mais aujourd'hui, il faut desserrer l'étau jacobin. Donc je fais deux propositions. La première, c'est qu'il y ait une phase de décentralisation beaucoup plus grande sur toute une série de sujets. Et la seconde, c'est que le Parlement soit enfin libéré. Parce que notre Parlement est le seul au monde à ne pas administrer son budget. L'article 40,
c'est invraisemblable, on délie des parlementaires qui font des amendements, discutent du budget, mais le budget est décidé par Bercy et décidé par la lettre de cadrage du président de la République. C'est le talon de fer de l'exécutif sur le législatif, et ça, aujourd'hui, ce n'est plus supportable. Alors, on a parlé, vous venez de parler du Parlement. Est-ce que, par rapport aux Gilets jaunes qui demandaient un référendum d'initiative citoyenne, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et envisager une 6e République ou un changement de constitution ? Si vous supprimez l'article 40, vous changez de... sans le dire, vous changez de constitution. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'exécutif est privé de son arme absolue, qui est Bercy. Vous vous souvenez de l'histoire? L'histoire est la suivante. C'est qu'au lendemain de la guerre, il y a un compromis entre le général de Gaulle et le parti communiste français qui est dominant. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut neutraliser les questions financières. On ne peut pas en faire un objet puisqu'il faut reconstruire la France. Et donc il y a une position commune de la gauche représentée par le Parti communiste à l'époque, et des gaullistes, un peu sous l'égide du Conseil national de la Résistance, qui dit les questions financières de reconstruction de la France, on va les neutraliser, on ne va pas en faire un enjeu. Et donc à partir de là, on a une administration, qui n'était pas Bercy à l'époque, qui était le Louvre, mais qui est une administration qui va s'autonomiser. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est que nous sommes dirigés, je n'ai rien contre eux, mais on est dirigés par des inspections, par des inspecteurs des finances qui sont sortis dans les premiers de l'ENA et qui, eux, estiment que ce n'est pas aux politiques, encore moins aux citoyens, de décider en lieu et place de ce que eux pensent nécessaire puisqu'ils ont les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc, ça, il faut le briser. Le jour où vous brisez ça, c'est une autre république. Mais il y a aussi une demande de... Vous avez parlé du Parlement, mais il y a aussi une demande des citoyens directement de se saisir de la chose publique avec le référendum d'initiative citoyenne. Vous en pensez quoi, ça? On le fait dans un certain nombre de municipalités. Moi, j'avais initié ça, c'est devenu aujourd'hui le budget participatif. J'avais initié ça dans le 19e arrondissement avec le maire de l'époque qui était Roger Malek, qui était de prendre une partie du budget qui nous était alloué et de proposer aux citoyens dans des comités de quartier. J'avais inventé ce truc-là invraisemblable qui, on me disait, c'est bien le gauchisme de cambadélisme, etc., où les citoyens pouvaient discuter de cette partie du budget qui les touchait au plus près de leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir des assemblées citoyennes au niveau de chacune des régions qui discutent et administrent une partie du budget de la nation. C'est une forme de démocratie directe, je ne dis pas qu'il ne faut que ça, c'est une forme de démocratie directe qui est possible. Il faut être le au plus près possible des citoyens. Mais pas de référendum d'initiative citoyenne directement? Si on veut un référendum d'initiative de citoyenne, bien sûr, mais en ayant des garde-fous qui ne fassent pas qu'on ait une situation où sur tout et n'importe quoi, on fait un référendum. Mais tout ce qui peut permettre l'expression du peuple dans les conditions qui sont celles que l'on connaît aujourd'hui, oui, je suis favorable. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé d'écologie dans votre dernier livre. Comment est-ce que, après avoir milité aussi longtemps que vous avez milité au sein de courants socialistes qui étaient pour la plupart productivistes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, comment est-ce qu'on change son logiciel de pensée politique pour y intégrer l'écologie qui, justement, va à l'encontre du productivisme? Alors, d'abord, on se rend compte de l'urgence climatique. Vous savez que lorsque j'étais premier secrétaire, en 2015, nous avons fait une réunion nationale, ce qu'on appelle nous une convention, où on a adopté une charte, qui était la charte de la sociale écologie. D'ailleurs, le sigle a changé. Et on a mis des grandes feuilles vertes et on a mis social écologie. Parce que j'estimais que la question écologique
était au niveau de la question sociale. Moi, je ne suis pas pour substituer à la question sociale la question écologique, comme certains. Je suis pour que on porte les deux dans le monde tel qu'il est. Donc, une synthèse que le Parti Socialiste aime, mais qui me semble nécessaire, qui est la question sociale et la question écologique sont deux questions qui touchent l'humanité dans son existence. C'est pour ça que j'ai développé le thème de l'intégrité humaine, parce que j'estime que aujourd'hui l'humanité est attaquée dans son intégrité par différents biais, tant sur le plan démocratique, avec aujourd'hui des algorithmes qui vont décider ce qui sera bon ou pas bon pour l'humanité, par la concentration médiatique aussi, ça c'est une dimension démocratique très prenante, par le fait que le peuple, aujourd'hui une partie du peuple, se demande si la démocratie est le bon système de gouvernement parce qu'il n'est pas efficace pour les problèmes auxquels il est confronté. Bon. Et on peut être aussi écolo et demander une centralisation beaucoup plus forte et une décision. Quand on dit, par exemple, comme Hulot, qu'on est dans une période de guerre, on appelle à un gouvernement de guerre pour pouvoir imposer des normes qui seraient nécessaires pour combattre la crise climatique. Donc on voit bien que la question démocratique est une question qui est posée. La deuxième grande question qui est posée, c'est l'intégrité humaine par rapport à tous les sujets climatiques, social aujourd'hui avec le développement de la révolution de l'immatériel, ça me semble être un sujet, etc. Mais il y a énormément de choses. On voit dans le domaine de la santé, de la modification génétique, on voit aussi dans ce qui apparaît de plus en plus prégnant aujourd'hui, les féminicides, la pédophilie, etc., etc. Donc on voit bien que l'intégrité humaine est mise en cause. Et enfin, je développe un thème sur l'intégrité qui est celui du Big Bang numérique auquel on est confronté aujourd'hui. Parce que je pense que cette révolution de l'immatériel pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis de normes sociales, de la manière dont on vit et travaille. Yeah, justement, sur l'intégrité, il y a une phrase dans votre livre qui dit que vous voulez remplacer les concepts, enfin il faut que la gauche se saisisse des concepts du concept d'intégrité au lieu de celui d'égalité et d'émancipation. Mais si on remplace, enfin le concept d'émancipation, ça reste quelque chose qui est très important et qui n'a pas exactement la même définition que celui d'intégrité. Pourquoi est-ce que ça devrait, l'un devrait remplacer l'autre? Pourquoi pas faire les deux? Parce que, d'ailleurs je dis quelques phrases plus loin, que je ne remets pas en cause l'émancipation, mais je dis que le mot d'ordre dans le moment présent, c'est celui de la défense de l'intégrité humaine contre tout ce qui remet en cause celle-ci. On est plus dans une défense, dans un moment défensif, que dans un moment offensif sur une nouvelle société, de nouveaux droits, etc., etc. Bon. Alors, je ne mets pas ça en cause, je ne remets pas en cause l'égalité, mais par exemple, je dis que dans mon objectif, dans mon nouveau socialisme, qui est la société décente, parce que la société décente, c'est une société dans laquelle l'intégrité est respectée, il faut l'égalité réelle, et non pas l'égalité formelle, réelle, c'est-à-dire qui s'attaque là où les inégalités sont concentrées. Il faut la liberté ordonnée, évidemment qu'il faut l'extension des libertés, mais elle doit être ordonnée parce que sinon ça devient une tyrannie de minorité. Bon. Et il faut la fraternité laïque. La fraternité est nécessaire parce que sinon il n'y a pas de société. Mais s'il n'y a pas la laïcité, c'est le choc des cultures, cultes, etc., etc. Donc là encore, sur ce sujet-là, j'essaye de proposer des ajustements conceptuels pour que nous soyons en capacité de répondre aux interrogations des Français d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, aurait dit le général de Gaulle en 1947. Concrètement, ce que vous proposez, c'est, je vous cite, un patriotisme républicain implacable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? Parce que les socialistes et la gauche en général oscillent entre
un internationalisme éthéré et un républicanisme, on va dire, normatif. Alors, est-ce que vous pouvez détailler ? Voilà, je détaille. On est tous des frères. Bon, j'ai pratiqué ça dans ma jeunesse. Le prolétariat, quand il agit en Bolivie, en Amérique latine, en Russie, etc., les mêmes intérêts que celui qui agit en France, et nous voulons partout des 1848 qui permettent au peuple de prendre le pouvoir. C'est plus compliqué que ça. Car on peut le prendre, tout le monde le comprendra, qu'aujourd'hui les salariés allemands ont leurs propres intérêts qui ne sont contradictoires avec les nôtres, parce que eux n'ont pas, c'est le moment d'en parler, la même retraite que nous, la même sécurité sociale que nous, et donc ils ont besoin de pouvoir garantir celle-ci par j'allais dire un Deutsche Mark, mais c'est assez drôle, par un Eurofort, par une organisation qui est la leur. Donc il y a des contradictions. Et de l'autre côté, certains socialistes ou même de gauche disent la République est en danger et tout ce qui est particularisme doit disparaître au nom de la République. C'est un débat qui est vieux. On avait déjà ce débat-là sur la question des régions, de la centralisation jacobine. Bon, il y a eu la Révolution française, il y a eu le bonapartisme qui a suivi, et ceci a centralisé. Et certains vont, mais pas à gauche, mais certains vont encore plus loin, en estimant que ce concept, cette France-là, qui est éternelle, est remise en cause par l'islam radical, l'islam politique, etc. Bon, et donc je trouve que la gauche est démunie par rapport à cela. Elle ne sait pas comment se comporter. Donc je forge un nouveau concept qui est le patriotisme républicain. J'emprunte une formule d'Habermas qui lui disait, pour l'Allemagne, puisque c'était très difficile vu la situation allemande et de la renaissance d'un nationalisme allemand, c'était quand même compliqué, et donc qui propose un patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire la défense de la Constitution. Et donc moi, en l'appliquant à la France, je propose un patriotisme républicain qui fait des valeurs de la République la définition du vivre ensemble, et non pas de l'ADN des Français. La fameuse formule sur les Français de souche, qui serait là depuis X temps et qui ferait qu'on est Français. Une souche, c'est un arbre mort, et ce n'est donc pas un arbre vivant. Moi, je suis pour un arbre vivant, mais je suis pour que l'on défende de manière intraitable la question de l'égalité, la question de la liberté, la question de la fraternité, d'une fraternité laïque. Donc on défend la laïcité. Tout ça, pour moi, fait un ensemble, et je défends à partir de là ce patriotisme républicain. Alors, on a parlé d'idées, etc., mais moi, vous avez longtemps été chef de parti. Est-ce que vous croyez toujours au parti politique ? J'ai cru comprendre que oui au début, mais est-ce que vous pouvez détailler là-dessus ? Alors, la question qui est posée, c'est qu'un parti politique, il doit répondre à un certain nombre de critères. Un parti politique, ce n'est pas un appareil, contrairement à ce que tout le monde croit. Un parti politique, c'est un lieu dans lequel se forgent des propositions faites aux citoyens, aux Français. C'est un lieu aussi de mémoire, d'une tradition politique. C'est un lieu de formation. Et c'est un lieu de proposition électorale, enfin de candidats, de sélection de candidats à l'élection. Le problème, c'est quand c'est une fin en soi. Exemple, le Parti socialiste a été une force propulsive de 1971 à 1981, puis il a été une force plus ou moins propositionnelle dans les années qui ont suivi, et puis à la fin, c'est devenu une force d'alternance. Et petit à petit, le problème du Parti Socialiste n'était pas de faire des propositions, mais de créer les conditions
de son retour au pouvoir quand il avait été chassé. C'était assez simple, hein, qu'à partir du moment où vous aviez deux forces, une force de droite, une force de gauche, bah, quand la force de droite était en responsabilité, on gagnait les élections intermédiaires et on gagnait l'élection présidentielle suivante. Quand la force de gauche était en responsabilité, la droite faisait l'inverse. Donc, le système s'est sclérosé. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les partis ne sont pas nécessaires. Je vais donner plusieurs exemples. Le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen qui décide. Ce n'est pas le parti. Effectivement. Les macronistes, c'est Macron qui décide. Et ce n'est pas le parti. Jean-Luc Mélenchon, c'est Mélenchon qui décide. Et pas le parti. Puisque la France insoumise n'est pas une formation politique. Le parti de gauche a un congrès, des débats que personne ne regarde, il n'y a que des fous furieux comme moi qui regardent ça au microscope, avec des débats assez importants, des oppositions qui sont notables et qui expliquent beaucoup de choses dans France Insoumise aujourd'hui. Mais France Insoumise, c'est, et on nous dit d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit, en disant à partir du moment où on referait un parti de type classique, les forces bourgeoises ou les forces de l'oligarchie s'engouffreraient dedans, amèneraient à pervertir la pensée politique et on nous diviserait. Donc, pas de débat. C'est moi qui décide. Bon. Et je suis la voix du peuple. Bon. Je ne suis pas certain que cette bonapartisation de la vie politique française, je ne parle pas de populisme, hein, cette bonapartisation de la vie politique française, c'est-à-dire qu'elle se concentre en une femme ou un homme, en une personnalité, soit une avancée. C'est quand même paradoxal que les Français réclament avec une certaine violence la possibilité de décider et que les formations politiques qui sont entre guillemets majoritaires aujourd'hui sont des formations politiques où on ne décide pas. Donc, moi, je suis un pour un parti proposant, pour des formations politiques qui soient capables de se renouveler et qui soient capables de discuter, qui soient capables d'intégrer les propositions des Français. Mais je reste favorable à ce qu'il y ait une décision collective et non pas une décision individuelle. Par rapport à ça, est-ce que vous considérez que le Parti Socialiste a un avenir ? Est-ce que le Parti Socialiste est mort ? Alors, je crois que le Parti Socialiste doit se renouveler, se réformer, se reformuler, si on peut, se réinitialiser, on dirait aujourd'hui, mais il doit entièrement se reformuler. Nous sommes dans la phase de la SFIO de 1969. Bon, tout le monde parle de 1971, c'est-à-dire au moment où François Mitterrand est devenu le premier secrétaire dans des conditions très particulières, mais le premier secrétaire d'une nouvelle formation qui s'est appelée le Parti Socialiste. On a oublié qu'entre-temps, il y avait la SFIO, le nouveau Parti Socialiste, puis le Parti Socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé après 68 et la victoire en fin de course du général de Gaulle? C'est que Pierre Mauroy et un certain nombre de responsables socialistes, c'était pas le cas de François Mitterrand, il n'était pas dedans, hein, se sont dit... La formule de la SFIO était dépassée. Elle correspondait à une époque politique, mais elle n'était plus en capacité de s'ouvrir à l'époque. C'était sur les clubs, parce qu'il y avait des clubs partout. Et qu'il fallait être en capacité d'ouvrir sur les clubs. Alors, c'était un sacré débat dans le Parti Socialiste. Parce que les molettistes disaient, mais si vous ouvrez sur les clubs, vous liquidez l'histoire du Parti Socialiste. Et Mauroy et les modernistes disait mais non, il faut s'ouvrir, il faut faire quelque chose. Bref, il y a eu un congrès. Non, il y a eu le congrès d'Alfortville et d'Issy-les-Moulineaux qui ont changé et qui ont décidé de trouver une nouvelle formule, le nouveau Parti Socialiste. Et puis, après, ils ont commencé à gagner des élections parce que les Français se sont intéressés à ce nouveau Parti Socialiste. Et là, les dirigeants du Parti Socialiste de l'époque se sont dit qu'il faudrait peut-être aller chercher maintenant une personnalité qui puisse incarner ce cycle nouveau, etc. Et c'était l'intérêt de François Mitterrand. Parce que François Mitterrand voyait deux choses. Il voyait à la fois
le parti communiste dominant, et comment faire tant qu'il était là pour pouvoir l'emporter puisqu'il gelait 20% des voix, et quelque chose que personne ne dit. C'est qu'il voyait le Canuet, à l'époque, l'ancêtre de Emmanuel Macron. À droite, qui faisait 15%. Et si on n'y prenait pas garde, le PS de l'époque, ou la gauche de l'époque, allait se subordonner au centre. Et ce qui était un peu ce que pensait Guy Mollet. Et donc, on allait se retrouver derrière le Canuet. Donc, la démarche individuelle de François Mitterrand et la démarche collective du nouveau Parti Socialiste a conduit à ce qu'on ait le congrès d'Épinay. Et là, François Mitterrand est devenu premier secrétaire. Ce qui a fait dire beaucoup plus tard à Lionel Jospin, Mitterrand nous a fait autant que nous l'avons fait. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que nous sommes dans cette époque. Nous sommes dans une époque où il faut dépasser le Parti Socialiste, qui a eu son heure de gloire, qui a fait un certain nombre de choses, qui n'est pas jeté hégémonie comme on veut bien le dire, qui a modernisé la société française. Mais il ne correspond plus à la situation française. Il est sclérosé. On pense avec les idées des années 60. Bien sûr. Il faut donc le moderniser. Il faut le moderniser idéologiquement. Il faut et créer une nouvelle dynamique. Pour créer une nouvelle dynamique, il faut faire un nouveau Parti Socialiste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait justement à partir de ça? Vous parlez de gauche plurielle. Est-ce qu'il faut, vous dites qu'il faut reconstruire la gauche plurielle. Alors déjà, est-ce que reconstruire la gauche plurielle avec des partis, etc., vous considérez que c'est dans l'air du temps? Non, pas du tout. Je dis nouvelle gauche plurielle. Pourquoi je dis nouvelle gauche plurielle? C'est pour essayer de faire comprendre à mes camarades socialistes que le Parti Socialiste seul, il n'y arrivera pas. Qu'il y a aujourd'hui des mouvements associatifs, des ONG, des militants de terrain qui font de l'expérimentation et qui agissent au quotidien. Les socialistes sont aperçus comment ils avaient été, on va bien le dire, marginalisés par le mouvement des Gilets jaunes. Ils n'ont jamais pu voir le jour dans cette mobilisation. Je ne leur reproche pas. Et aucun parti. Bien sûr. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, peu importe le vocable, mais pour faire comprendre qu'il faut se dépasser, j'ai pas trouvé mieux que le moment où on s'était le plus dépassé, qui était la gauche plurielle. Et je pense, bien avant notre échec électoral. C'est pour ça que j'ai voulu lancer la Belle Alliance Populaire. Parce que pour moi, la Belle Alliance Populaire, c'était le dépassement du Parti Socialiste. C'était créer quelque chose de nouveau, une nouvelle marque. Et vous savez... Qu'est-ce que c'était la Belle Alliance Populaire? La Belle Alliance Populaire, c'était le fait que le Parti Socialiste à lui seul ne pouvait pas concourir à la prochaine présidentielle, puisqu'on était en 2015-2016. C'est avéré que je n'avais pas totalement tort. On a perdu des élections. On a eu une véritable déroute électorale. Alors, les torts sont partagés, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Il faut quand même se poser des problèmes. Il faut quand même s'interroger sur les raisons pour les faits. Et ce n'est pas simplement que machin a été bon ou que truc a été mauvais. C'est aussi parce que notre structure ne correspondait pas à ce que souhaitait l'ensemble des Français. Donc, il faut se réinitialiser, il faut se reformuler, mais il faut vraisemblablement le faire dans un cadre qui soit tout à fait nouveau. C'est pour ça que je parle, parce que je parle aux socialistes. Hein. Donc je leur parle d'un nouvel Épinay, mais ça ne peut pas être un nouvel Épinay, puisque Épinay, c'était une chose particulière. Mais quelque chose comme ça, une espèce d'assemblée de tout le centre-gauche qui soit en capacité de créer quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, comme ça a été le cas dans ma génération, des jeunes viendront et on aura offert un cadre qui leur permettra d'agir à partir de ce qu'ils pensent être nécessaire à gauche. Vous dites centre-gauche, ça veut dire que ça... Avec qui vous imaginez ça? Avec pas forcément les personnes, mais les partis Alors, moi, je n'imagine pas avec des partis, encore que il y a en France des courants qui sont petits, mais enfin, est-ce que le PS est gros aujourd'hui, qui sont les radicaux, les anciens amis de Jean-Pierre Chevènement, quelques courants écologiques, démocratiques, etc., etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est un mouvement citoyen.
C'est un mouvement citoyen qui fonde une nouvelle formation politique, dans lequel le Parti Socialiste, évidemment, aura un rôle central, qu'il devrait faire d'ailleurs. Mais c'est un mouvement où les gens de gauche prennent en charge la construction de leur nouvel instrument de transformation, qui soit un instrument de transformation parlementaire et réformiste, avec une gauche qui ait une culture de gouvernement. Qu'elle soit une vraie gauche, une vraie gauche de gouvernement. Mais je reviens quand même sur le terme de centre-gauche. Ça veut dire que tout ce qui a porté la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui a surclassé le PS en 2017, ça s'arrête à cet endroit-là ? On va pas plus loin ? On verra si on peut s'allier un jour, mais c'est pas notre sujet du jour. D'accord. Le sujet du jour, c'est de refonder une formation politique attractive, sociale, écologique, européenne, et qui ait une certaine efficacité aux propositions gouvernementales. Ce n'est pas la logique de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il estime que ses formations, ou ses débris de formation, c'est comme ça qu'il nous appellerait, sont des obstacles à la réalisation du peuple, au peuple. Bon. Le problème, c'est que le peuple ne s'exprime peu dans la France insoumise. C'est plutôt lui qui parle au nom du peuple. Bon. Et donc, il n'est pas pour l'union de la gauche. Pas pour l'union de la gauche. Sur ça, c'est dépassé, c'est pas possible, etc. Donc, si lui n'est pas pour l'union de la gauche, si les écologistes ne sont pas pour l'union de la gauche, eh ben, entre les écologistes et la France insoumise, il y a quand même un espace que j'estime considérable de gens qui ne sont pas sur la position du tout écologiste ou écologique d'un Jadot, d'un Bayou ou d'autres, et ceux qui ne sont pas sur la position, on va dire, populiste de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le terrain réformiste de gauche, social-démocrate au bon sens du terme, social-écologiste, est suffisamment grand pour faire une formation politique qui renaisse de ses cendres. Alors justement, on va parler de votre place là-dedans ensuite, mais des anciens socialistes qui ont fait partie du quinquennat de François Hollande et qui sont maintenant retirés de la politique, mais qui pourraient, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont porté des idées, revenir en politique un jour, quelle serait leur place là-dedans? Je pense à Arnaud Montebourg ou Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être leur place là-dedans? Alors, moi, je pense que tout le monde a sa place. Et je leur dis, aux uns et aux autres, vous avez des desseins les uns les autres, ils pensent déjà à la présidentielle, etc. Non, très bien. Seul, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que le coup de Macron, je prends mon bateau, je quitte Bercy et je me lance, d'abord, il faut des moyens financiers. Effectivement. Macron les a eus. Mais il avait une ligne économique et sociale qui lui permettait d'avoir des moyens financiers. Vous ne l'aurez pas, puisque ce n'est pas votre objectif. Or, seul le Parti Socialiste l'a, parce qu'on a vendu Solferino, et nous avons aujourd'hui les moyens de financer une campagne présidentielle. Sinon, on n'avait pas les moyens. C'est pour ça qu'il fallait vendre Solferino. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a de quoi faire une campagne présidentielle ? C'est le seul parti. Parce que, quand on a vendu Solferino, il fallait faire face aussi aux difficultés du parti qui n'avait plus les entrées qu'il avait auparavant. Mais mon choix, parce qu'à ce moment-là, ça a été mon choix, c'était que s'il n'avait pas les moyens financiers, c'était clair, dès le 18 juin 2017, il disait qu'il n'aurait pas de candidat à l'élection présidentielle et que son objectif, c'était soit de voter pour Jean-Luc Mélenchon, soit de voter pour Macron. Et si il avait les moyens financiers, il aurait les moyens financiers de décider ce qu'il ferait. Bon, donc je dis à mes amis, seul vous n'y arriverez pas, et vous avez un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est de permettre, par votre aura, par le fait que vous êtes reconnu, par ce que vous avez apporté, etc., de être une partie de ce qui va se faire de nouveau. Ça s'appelle la transmission. Et on a besoin de tout le monde. De toutes les personnalités.
Bon, et chacun doit se trouver à sa place. Mais en même temps, c'est une nouvelle génération. C'est pour aider une nouvelle génération. Pas pour simplement dire, bah, on va prendre la composition du gouvernement, le dernier gouvernement de Hollande et de Manuel Valls, et puis là-dedans, on va essayer de trouver le candidat à l'élection présidentielle. Non, peut-être. Tu vois, à un moment donné, cette formation politique et les Français diront, bah, en fin de compte, celui-là, il est quand même pas mal, et on va le prendre. Bon, peut-être. Mais pour cela, il faut créer quelque chose, une dynamique, un enthousiasme, un espoir, etc. Or, on ne peut pas créer l'espoir avec la formation politique du PS telle qu'il est aujourd'hui, parce que même si chacun se bat comme il peut, il est lesté par un gros boulet qui est celui du passé politique du Parti Socialiste. Et quand les gens voient, ils me posent la question. Ils me posent, ça existe encore le Parti Socialiste ? Bon, qu'est-ce que vous faites, etc. Et moi, on m'engueule. On dit, mais bon, alors, quand est-ce que vous allez faire quelque chose ? Et pourquoi vous êtes... Alors, vous en avez profité pendant des années, etc. Et puis maintenant, vous nous laissez tomber face d'un côté à Macron, de l'autre côté à Marine Le Pen. Bougez-vous ! Bon, ils n'ont pas tort. Bon, et donc, ce que j'appelle de mes voeux, en même temps, c'est pas moi qui vais faire ça tout seul, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que se crée une dynamique nouvelle, citoyenne, partidaire, syndicale, associative, de gens qui disent, bon, on va créer quelque chose de nouveau, qui ne soit ni les écologistes qui sont pour le tout de écologique et qui ont leur prisme et qui sont utiles et que c'est nécessaire, mais bon, voilà, ils s'occupent de la question écologique, très bien, ni Jean-Luc Mélenchon, qui est sur une position radicale, qui, à mon avis, ne correspond pas ni à l'époque, ni à ce qu'il faut faire. Bon, mais moi, je crois que ça, cet ensemble, il est majoritaire à gauche. On verra qu'il soit majoritaire dans le pays. Et vous, quelle est votre place là-dedans ? Et est-ce que vous aurez, et si c'est vous qui deviez porter ça, pas en termes de représentation médiatique, mais porter le projet, est-ce que vous avez toujours les réseaux pour, après votre pause ? Oui, alors bon, moi, si je commence à dire c'est moi qui vais le faire, je vais avoir 50 personnes contre. J'imagine. En disant, pas possible, bon. Parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai blocage pour la gauche. Elle est aussi bloquée par le fait que ses élites ne sont pas dans la bienveillance. Ils sont encore dans le passé où tout passe par moi. Si c'est pas moi, ça ne se fera pas. Non, faut le faire ensemble. Moi, qu'est-ce que je peux apporter ? Deux choses. D'abord, je suis quelqu'un qui aime travailler les concepts. Vous avez gentiment rappelé cela. Et donc, je produis un certain nombre d'idées que je défends à travers la France, après, dans des colloques. Alors, les gens se disent, tiens, c'est pas idiot, cette histoire d'intégrité humaine. Voilà, c'est une nouvelle formule qu'on ne connaissait pas. Bon, d'accord. Et deuxièmement, j'ai la chance de m'entendre bien avec tout le monde. J'ai pas j'ai bien sûr des adversaires comme tout le monde, mais je m'entends bien avec tout le monde, donc je vais de l'un à l'autre, etc. Et j'essaye de faire mûrir l'idée que il ne s'agit pas d'être dans la violence vis-à-vis de notre passé, mais dans l'espoir d'un nouveau futur. Et donc, je les engage à travailler concrètement et ensemble à un dépassement du Parti Socialiste et à créer une dynamique politique nouvelle. Bon, quand ils parlent avec moi au café, ou dans un resto, ou à la maison, ou que sais-je encore, personne n'est contre ce que je dis. Tout le monde dit, ouais, t'as raison. Malgré les efforts colossaux de la direction actuelle du Parti Socialiste, ils ont du mal à passer le mur du sang, mais ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est la situation dans laquelle est le PS. Bon. Donc, il y en a qui sont très critiques, hein, évidemment. Bon. Mais en même temps, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, ils en sont d'accord, mais il n'y a pas encore de facteur déclenchant. Bon. Là, les uns et les autres constatent que, avec la question de la réforme des retraites, comme la question de l'allocation de chômage, la question sociale est revenue à l'ordre du jour dans le débat politique français. C'est un peu plus favorable à la gauche
socialisante ou au centre-gauche, je sais que ça fait sursauter un certain nombre de mes camarades, mais je n'ai pas d'autre manière de la caractériser. Bon, mais bon, tout le monde attend le résultat des élections municipales. Comme moi, je pense que le résultat des élections municipales sera plutôt bien pour le Parti Socialiste et pour tous ceux qui se réclament de cet espace politique-là, je pense qu'après, attendre comme ça, que Macron nous dise s'il se présente ou pas, que Marine Le Pen soit au deuxième tour, et quand on va être là, on va se retrouver dans une situation idiote, et toute la gauche. Bien sûr. La gauche va se retrouver dans une situation invraisemblable, où, par ses divisions, sa fragmentation, son absence de volonté de rassemblement et de dynamique, aucun d'entre eux ne sera au second tour. Et si aucun d'entre eux est au second tour, c'est Macron ou la droite, vraisemblablement Macron. Et si c'est Macron face à Marine Le Pen, il y a une chance sur deux pour qu'elle l'emporte. Alors, ça nécessitait pour moi quand même un petit peu de se réinvestir. Moi, je me suis dit à un moment donné, bon, je faisais mes chroniques politiques parce qu'on apprécie mon analyse des situations, je me suis dit à un moment donné, je ne vais pas rester sur mon divan à pester en disant « mais c'est nul, mais c'est pas bien, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais non, il fait « oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais », etc. Je me suis dit « bon, ça, j'ai pas fait tout ça depuis mes 17 ans où je suis rentré en politique à gauche pour, à 68 ans, dire voilà, c'est passé, c'est plus mon époque, moi, mon bon monsieur, c'était vachement rigolo quand on était jeune, on était dans la rue et on pensait à la révolution ou au changement par l'action parlementaire. Non, je me suis dit bon, voilà, c'est là maintenant, t'as une expérience, t'as une histoire, t'as un petit peu reconnu, pas beaucoup mais un peu, mal ou bien, enfin ça c'est chacun choisi, il y a un petit rôle à jouer. Et ce rôle, j'essaye de le jouer absolument. Pour revenir sur ce que vous venez de dire par rapport à notre époque, vous avez été trotskiste. Par rapport à aujourd'hui, c'est quoi les différences que vous voyez dans votre analyse du monde et de la France par rapport à l'époque où vous étiez trotskiste et maintenant après avoir été dirigeant d'un parti de centre-gauche? Alors, bon, à l'époque, tout le monde était radicalisé. Le Parti Socialiste était lui aussi très radicalisé. Bon, tout le monde était très, 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 très à gauche. Dans une époque qui était une situation où la gauche avait été exclue du pouvoir depuis de très nombreuses années. Bon. Mais qu'est-ce qu'a apporté, on le voit bien aux hommes politiques ici ou là qui sont issus de cette histoire, qui est celle du trotskisme, d'abord une vision qui, contrairement à ce que tout le monde dit, parce que quand on dit parle des trotskistes, on parle toujours des coups, des machins, des... Tout ça, c'est des conneries. Le trotskisme, ce qu'il a apporté à ceux qui l'ont pratiqué, c'est d'abord une vision du monde, c'est-à-dire qu'on part du monde pour aller à l'individu, alors que généralement, les gens partent de l'individu pour aller au monde. Quand vous entendez quelqu'un qui va commencer à vous parler du Liban, de la situation en Iran, de la situation en Russie, qui se passionne pour les dernières élections en Allemagne, ce qui se passe en Italie, voir les mouvements qui sont en train de se développer en Afrique ou en Amérique latine, vous pouvez être sûr qu'il a une formation politique qui l'a amené à l'universel, c'est-à-dire qu'il a amené à avoir une vision du monde, première chose. La deuxième chose, c'est que on apprenait qu'un appareil sans idée était un arbre mort. Certes, il faut être organisé, il l'était, mais pour mettre en mouvement des idées, sinon ça n'a aucun sens. Et alors, il faut dire qu'ils adoraient ça. Le débat d'idées et la lecture des œuvres complètes des uns et des autres et des polémiques pendant 3 heures sur un sujet, sur la nature de l'Union soviétique, par exemple, ça pouvait leur prendre plusieurs jours. Bon, alors c'est une caricature. Mais moi, j'ai gardé cette passion,
la passion de la politique, la passion des idées, la passion de la mise en mouvement des gens, de la justice, de la liberté, de l'égalité, etc. Et surtout, de la République. Et peut-être que mon évolution, elle porte plus là-dessus. C'est-à-dire que, comme j'étais révolutionnaire, je n'étais pas attaché ni à la démocratie parlementaire, ni à la question républicaine. Ou tout du moins, moins pour moi, oui, c'était une référence, ce n'était pas un objectif. Et aujourd'hui, je pense que cet espace républicain est mis en cause de différentes manières et qu'il faut le défendre. Alors c'est la Nouvelle République, comme la pensée Mendès peut-être, encore que, mais en tout état de cause, c'est une nécessité dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Bon, voilà, ça a changé. Après, je ne suis pas sur la ligne de la rupture, je connais l'économie de marché, ce qu'elle a d'éléments nécessaires, mais en même temps, ses limites et la nécessité d'y introduire, et non pas de faire semblant, de lui introduire des éléments de justice. Je sais que c'est un rapport de force, et que, évidemment, ceux qui détiennent à la fois les entreprises, les moyens de production, disons, disait-on à l'époque, ne voient pas de gaieté de cœur payer plus cher des salariés, parce que pour eux, c'est une moindre rentabilité du capital, et ainsi de suite. Et en même temps, il y a un marché mondial, bon, et qu'il faut prendre en compte. Donc, je suis plus sur l'équilibre entre ce qui est nécessaire à la compétition, à la compétitivité, et ce qui est nécessaire à la justice. Voilà, j'ai juste ces évolutions-là, et je ne pense pas qu'en une nuit, ce qu'on pensait à l'époque, avec la prise du pouvoir, le monde allait changer de base. Alors justement, par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des conseils de lecture, de films, de revues, etc., qui peuvent permettre à des jeunes ou à des moins jeunes de se former intellectuellement, de se former politiquement pour appréhender le monde dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on est amené à vivre. D'abord, moi, je n'ai pas de conseil du vieux qui dit... Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Non, mais moi, je dis, intéressez-vous, regardez, lisez tout. Moi, je suis... Je ne vous dis pas comment c'est chez moi, le nombre de livres que j'ai. Je suis obligé d'en vendre aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place. Faut lire tout. Faut exercer son critique, sa critique, en lisant. Moi, je lis, alors je disais tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, je crois pouvoir dire que je lis tous les textes, je lis tout ce qu'il écrit. Je lis tout ce qu'écrit aussi le Front National et le Rassemblement National. J'ai écrit des bouquins là-dessus. Je lis ce qui se passe, et Dieu sait qu'il y a peu de choses, à l'intérieur de La République En Marche. Quand vous faites La République En Marche, vous regardez, il n'y a rien. Bon, c'est un parti qui n'existe plus. Bon, voilà. Je lis les textes de la Fondapol, qui sont pour la droite. Je lis ce que sort la Fondation Jean Jaurès. Je lis ce que sortent tous les réseaux qui cherchent à réfléchir sur le monde. Je n'arrête pas de lire. Et donc, le conseil que je donne, c'est lisez, et ainsi, vous forgerez votre esprit critique pour choisir après ce qui vous semble le plus nécessaire au monde. Est-ce que vous avez regardé la série Baron Noir ? Et est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est, vous avez été longtemps chef de parti, est-ce que, et donc vous avez vécu de l'intérieur ce qui se passe à peu près plus ou moins dans la série Baron Noir, est-ce que c'est plus ou moins proche de la vérité ? Non, non. Non, mais c'est bon, c'est bien fait, c'est intéressant. Cela pose souvent à des moments donnés des vraies questions, puisque on voit bien le débat entre faut-il s'allier avec Jean-Luc Mélenchon ou faut-il gouverner avec le centre. Bon, tout ça, Benzekrit et ses amis sont des anciens socialistes et donc ils connaissent tout ça par cœur. Mais pour la nécessité de l'exposition de Baron Noir, c'est un homme qui décide tout seul. Il suffit d'une déclaration, d'une formule. Ça m'aurait vachement plu, moi, hein, que simplement par ça. Non, c'est
Un parti, c'est œuvre humaine. Alors ça, c'est des faux. Mais vous ne pouvez pas décider en lieu et place des gens. Des bureaux nationaux, j'en ai fait des dizaines et des dizaines qui duraient extrêmement longtemps pour arriver à faire sortir une idée commune. Ça ne se passe pas comme ça, avec un article, une déclaration, une formulation, etc. Mais si vous faites ça dans, dans une série, les gens vont trouver ça un peu... Bon. Donc, ce que l'on peut reprocher, même si moi je suis passionné de cette série, c'est la pipolisation. C'est-à-dire qu'il suffirait d'une personne, et puis tout change. Et c'est le mal de la politique aujourd'hui. C'est que tout le monde a l'impression qu'il suffit de s'exprimer ou d'exister, et puis, à partir de là, tout va. Non ! Il faut des idées. On ne peut pas aller simplement à la télé en disant « Soyez avec moi parce que je le vaux bien, parce que j'ai été, parce que je pourrais, parce que j'ai trouvé une formule, parce que je suis copain avec un directeur de journal ou un propriétaire et qui va me mettre à la une. » Non. À un moment donné, il faut penser le monde, il faut penser la France, il faut penser la République, il faut penser le social, il faut penser l'écologie, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit solide à proposer. Regardez Macron, 2 ans. Aujourd'hui, il est à bout de souffle. Il est dans une situation où c'est pas très bien ce qu'il va faire du reste. D'ailleurs, il fait un séminaire, c'est drôle ça, je trouve ça formidable. Il fait un séminaire de ses amis, bon, pour savoir ce qu'il va faire de la fin de son quinquennat. C'est quand même formidable, ça. Bon, ça veut dire qu'il ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est un aveu considérable. Merci beaucoup, Jean-Christophe Combadélis. Merci à vous. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast, en plus d'être sur YouTube. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.